Je crois que j'ai fait ma première course à l'âge de 8 ans, si je me souviens bien. Je crois que c'était terminé par un bain, si je me souviens bien aussi. Donc quand on baigne, on sort du kayak et on finit à la nage. Et après, j'ai commencé à avoir des résultats nationaux en cadet. J'ai gagné en 96 les championnats de France cadet. Et puis après, ça a enchaîné un petit peu avec les sélections en équipe de France, petit à petit, équipe de France junior, équipe de France jeune, équipe de France senior, jusqu'à mon titre de champion olympique en 2004 à Athènes. Je pense que les sportifs de haut niveau ont un rapport assez important avec les kinés, parce qu'après leur entraîneur, je pense que c'est la personne qui voit le plus dans la semaine, qui voit plus souvent que leur famille, souvent. Et j'ai eu la chance, tout au long de ma carrière, de côtoyer des super professionnels qui m'ont énormément apporté, que ce soit pour la prévention des blessures, pour l'entraînement, pour le renforcement de certains déficits et pour la récupération après certaines blessures que j'ai eues. Le kiné, c'est souvent le confident du sportif parce qu'il joue un petit peu le rôle de psychologue. Une fois que le sportif est détendu sur la table de massage à l'issue d'une journée d'entraînement ou d'une journée de compétition, c'est souvent avec le kiné qu'il va pouvoir échanger. C'est le kiné qui va pouvoir faire aussi l'interface entre un sportif et une équipe d'encadrement avec laquelle ça ne se passe pas toujours de la meilleure des façons. En fait, ça fait longtemps que j'avais envie d'entreprendre des études de kiné. Alors, en tant que sportif de haut niveau, on a la chance d'avoir une petite passerelle qui peut nous aider à rentrer dans une école sans passer par le concours ultra relevé qui attend tous les étudiants qui veulent y rentrer. Et donc, on demande via un dossier au ministère de la Santé d'intégrer une école. Donc, il y a quelques places qui sont réservées dans certaines écoles en France. Et j'ai eu la chance d'être choisi parmi les heureux élus pour intégrer l'école de Bègle. Je vais essayer de concilier entraînement, compétition et vie étudiante. Quand j'arriverai au moment du diplôme en 2016, je pense qu'il sera vraiment temps de tourner la page côté sportif. Donc je viens de terminer le premier trimestre de la première année de kiné, donc il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver au diplôme, tous les partiels qui m'attendent et les stages à valider en deuxième et troisième année. Donc on a cinq spécialités à valider dans des stages qui se font soit en hôpital, soit en libéral. Et ça représente sur l'ensemble des trois années 40 semaines de stage. Donc c'est un petit peu ce qu'on attend avec impatience. Après une première année qui est pas mal théorique, les deuxième et troisième années sont vraiment portées sur la pratique en situation. Ce qui me plaît en fait, c'est que c'est un rapport individuel avec des patients et qu'on travaille avec les mains. Et quand on est sportif de haut niveau, et particulièrement en kayak, on se sert de ses mains, on a un toucher, on parle du toucher d'eau en kayak. Et c'est quelque chose qui est super important et que j'ai envie d'utiliser par rapport au vécu que j'ai déjà eu en sport de haut niveau. C'est l'impatience face à l'inconnu parce que je connais une facette du métier de kiné. Je pense qu'il en reste beaucoup à découvrir.